Salut! Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Du coup, moi c'est Varane. Moi c'est Megan. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo dégustation des pâtisseries Cédric Grolet. C'est parti, hein? C'est parti, go! Allez, on a trop hâte. On va sortir tout ça. Et... on est parti les chercher tout à l'heure. Ouais, on est parti du coup sur Paris. Meurice. Ouais. Dans le premier, je crois. Ouais, c'est à côté de Place Vendôme. Ouais. Et du coup, on en a eu pour 105 euros. Voilà. Donc. Et 5 pâtisseries. Et un cookie. Un cookie. Le cookie. Le fameux cookie. Il a l'air incroyable. Du coup, on va déguster tout ça. On va vous dire ce qu'on en pense. Et... en plus, on a un adepte du sucre ici. Vas-y, commence. On a un grand gourmand, donc il saura dire les ouais. vraies choses. Bah, toi, tu préfères les fruits. Moi, je vais aime bien le chocolat. Du coup, ouais. bah, ça va être cool. Un ou deux, il y aura on va se... un peu des deux. Du coup, voilà, on va prendre ça et puis let's go. Ouais. C'est parti. C'est parti. Allez, c'est parti. Le fameux sac. Avec un bel emballage en plus, ouais. font pas les choses à moitié. Donc attends, je vais me lever, je vais sortir tout ça. Le fameux cookie. Et là-dedans, du coup, il y a tout le reste. Tout le reste quoi. Vas-y, tu me tiens le sac. Ouais. Comme j'ai hâte. Même moi. Déjà, le package, c'est incroyable. Ouais. Dis-moi, on est parti acheter des bijoux ou je sais pas quoi. Ouais, je sais pas, un truc de luxe. Un truc franchement, c'est déclassé. Du coup, on ouvre quoi en premier? Vas-y, viens, toi. Attends, on regarde déjà. Ouais, on déjà, excusez-nous, mais voilà. C'est vrai. Enfin, voilà. On a quand même khalas, ouais. Wouah! Wesh, la noisette. Ouais, franchement, c'est un truc de ouf. On dirait une vraie pomme. Non, franchement, il est trop fort. Vas-y, on montre. Du coup, voilà. Voilà ce qu'on a pris. Donc la mangue, la noisette dorée, ouais. le citron, la pomme et la cacahuète. Passe au super cookie. Ah ouais, mais celui-là. Putain, il donne tellement envie. On va le dégommer, oui. Ouais. Et voilà, le super cookie, si je fais pas une catastrophe à l'écran. Elle le fait pas tomber, hein. Et voilà. Non, franchement, c'est, incroyable. C'est quoi sur le cookie? C'est des... c'est des petites noisettes caramélisées. Ah, c'est des noisettes. Caramel. Ah ouais. Ça va, t'es pas allergique aux noisettes? Je vas pas pouvoir goûter, désolé. Je mangerai le tour, c'est pas grave. Go déguster tout ça. Hein. Go, go, go. C'est parti. On a prévu un bon grand couteau pour ça. Ah ouais, on a pas blagué là. Là, on, voilà, on a sorti l'artillerie lourde. On a pas blagué. Bon, c'est parti, on commence par quoi? La mangue, non? La mangue, vas-y. Ouais, on commence par celui qui a un petit peu moins de goût, je pense. Ouais. Peut-être la bah, pomme. Déjà, on va faire les fruits en premier parce ouais. qu'apparemment, c'est pas très très sucré. Genre, il utilise la saveur naturelle des fruits. Alors que sur la noisette, la cacahuète ou le cookie, ça va être grave sucré, je pense. Ouais, ça du coup, sinon, on va pas trop sentir le fruit, quoi. Du coup, vas-y, on retire la mangue du... allez, c'est parti. Du paquet. J'ai peur de faire une dinguerie. Ah ouais, fais attention. Fais glisser. Voilà. Du coup, je mets ça sur le côté. Ouais. Vas-y, on verra ça après. Le bruit du coteau, là. Attends, on a même pas de cuillère, wesh. Je vais chercher. Je te laisse commencer. Non, j'allais dire à toi l'honneur, mais par contre, fais doucement. Ouais. Comme ça? Ouais, un petit coup comme ça. Bon, allez, c'est parti. C'est parti, go, go. C'est parti pour la mangue. Mais wesh. Mais vraiment. Tu m'as dit un petit coup. Non, un petit coup qui fait pas trop de bruit. Oh là là, j'ai coupé net, wesh. Oh là là. Ah, oh, ça. Oh là. Moi, j'aime trop la mangue. Hein. Oh, c'est vraiment l'un de mes fruits préférés. Ouais, la mangue, tu kiffes trop. On goûte comment là? Eh ben, on ouvre et on goûte. Vas-y. Genre c'est vers parti. Là. Vers là. Putain, il y a des vrais morceaux de mangue à l'intérieur. Ah ouais, ça a l'air incroyable. Vas-y, on goûte. Hein. Je... attends. Hop, à mon... vas-y, je t'attends. Ouais, mais je crains d'en foutre partout. Voilà, c'est mon chin. Chin de mangue. C'est bon, c'est frais. Mais c'est pas très sucré. C'est très très bon. Attends, je vais goûter la mangue à l'intérieur parce que j'ai pas goûté la mangue là. Pour autant, je pensais qu'au niveau du visuel, il y aurait plus de saveur en bouche. Mmh. C'est quand même très bon, hein. faut pas déconner. C'est très frais. Par contre, ils nous ont dit qu'il fallait bien le sortir au frais dès qu'on le déguste. Et effectivement, nous on l'a sorti il y a peut-être 15 minutes et c'est déjà beaucoup moins frais. Mmh. Oh, c'est trop bon. C'est quoi que tu kiffes le plus là-dedans? La, bah, c'est la mangue. Compotée là de mangue? Ouais. Les morceaux de mangue ou alors, la mousse? Parce que là, il y a de la mousse en gros de mangue, je pense. Non, moi déjà, et puis c'est du chocolat blanc teinté, je pense. Ouais, je pense. Moi, chocolat blanc, j'aime pas, mais là, on le sent très peu. Franchement, la moi, mousse est bonne, mais elle est très très fine et légère. Elle a pas trop de goût, elle ouais. est pas forte en goût. Et l'intérieur est incroyable. Mmh. Il est vraiment très très bon. Moi, l'intérieur, j'aime bien, mais
Tu préfères quoi, toi? Je préfère la mousse et l'extérieur. Bah, tu vois, nous deux, on se complète. Mais c'est vrai que les morceaux de mangue, ils sont bons. Hein. Mmh. Tu mets combien sur 10 à... Sur 10, je mets un 6. Sérieux, c'est tout? Ouais, parce que je sais qu'ils nous attendaient dingue, là. Non, mais sans compter ça. Un 6,5. Genre, on dit, tu goûtes ça random, on dit même pas c'est du Cédric Crowley ou quoi. Un 6,5. Ouais, moi, pareil. Forcément. Non, en vrai, je mettrais un 6. Du coup, maintenant, c'est la pomme. En plus, c'est... Alors, franchement, elle est vraiment bien faite. Elle est ultra bien faite. 2, 3. Oh, incroyable. Oh, bon, ça s'est pas tourné vers le bout, mais... Donc, là, c'est une espèce de compote, on dirait, non? Un peu de... Ouais. Tine de pomme. Tine de pomme. Non, c'est de la compote. Il y a des petits morceaux. Ah, j'ai pas senti, moi, les morceaux. Si, il y en a là. C'est un peu acidulé, donc c'est très bon. Moi, j'adore ça. Par contre, je vais goûter avec la mousse, du coup. En fait, ça fait comme la mangue. Comme la mangue, ouais. Attends, tu décales ça. Ouais. C'est quand même assez incroyable. Attends-moi, wesh. Ça me graisse sans moi. Ouais, c'est bon. Franchement, j'aime bien. Tu préfères ça ou la mangue? La mangue. Et toi? Moi aussi, mais c'est très bon. Ah, on fait, je pense, l'un de mes préférés, le citron. Ah ouais. Le citron, c'est l'un de mes fruits préférés. Aussi, hein. Plus réussi, c'est le citron à 1000%. Il est incroyable. Je sens que je vais me régaler avec le citron. Tiens. Ah, je vais faire un truc net et précis là, vous n'êtes pas prêts, wesh. Ouais, surtout qu'il est bien uniforme. Vas-y, wesh. Bon, par contre, il ose pas, quoi. Wesh, il est grave dur, mais il est grave dur, wesh. Mais il était pas dur, ils ont mis des crocs. Vas-y, tu goûtes sans moi. Allez, viens. Hein. C'est acide. C'est très, très, très acide. C'est ultra acide. Ultra acide. C'est bon. C'est. Franchement, c'est. Tu veux en cours, hein? Ouais, carrément. Tout ça même. C'est sérieux, là? Ça me pique pourtant. J'adore tout ce qui est acide, mais là. Tu aimes? Ouais. On n'a pas noté la pomme. La pomme, moi je mets 6. Ouais, l'autre j'avais mis 6,5. Et là tu mets combien? Bah oui, pareil. Là je mets 7. Moi je mets 8. Ah, moi je mets 7. Moi je mets 8 parce que le citron c'est toute ma vie, j'aime trop ça. Incroyable. Trop bon. Je prends les miettes. Ouais, de ouf, on est comme ça. Bon, suivant. Moi ça, je dirais cacahuète, ouais. Ça à moi de la caisse. Ah, ça va être trop bon. Moi je pense que ça va être mes préf là. C'est bah bien sûr. Non, bah c'est ça ton préf. C'est déjà. Ouais, le cookie, j'avoue, j'ai hâte. Le cookie, ouais. Comme ça, non? Oh, les deux. Ah, j'aurais trop kiffé le cookie. Ouais, comme ça, ouais. Comme ça? Ouais. Allez, vas-y. 1, 2, 3. Oh là là. Ça a l'air. La coupe parfaite, wesh. Ah, c'est incroyable. Mais mes coupes sont toutes parfaites. Vas-y, on goûte vite. Ça me donne trop envie là. Oh là là, c'est galère un peu. Il y a des morceaux de cacahuètes. Oh, t'es long, moi. Allez, c'est bon. J'ai un morceau, il y a tout. Vas-y. Allez, c'est bon. Chin. Chin de cacahuète. Cacahuète. Incroyable. Allez, buzz rouge, c'est bon. Et incroyable, il y a du beurre de cacahuète à l'intérieur. Non. Et il y a un goût salé. Oui, voilà, caramel beurre. Non, du. Honnêtement, je sais pas. Au niveau du goût, c'est un goût de sneakers, mais au niveau de la texture, c'est incroyable. C'est. Un wow, sneakers. Là, je peux le grailler en entier, là. Il est incroyable. Bon. Et en plus, c'est en croustillant. Il y a de la mousse. Franchement, il y a tout qui. Ah, le croustillant est trop bon. Il y a de la mousse, il y a du caramel, il y a des petites. Comment ça s'appelle? Cacahuètes. Cacahuètes dedans. Mais c'est pas allergique, toi, tout ça. Si, mais là, j'en ai pas eu. Et il y a un croustillant style. Un croustillant. Un croustillant, voilà. Bon. Moi, j'ai envie de goûter la noisette. Ça va être galère à couper. Hein. Au suivant. La noisette, c'est parti. 1, 2, 3. Incroyable, je vais mettre ma cuillère pour que ça tombe dedans. Ça va casser. Waouh. Ça a l'air trop bon. Vas-y, on goûte. Allez, go.
Moi je goûte Moi j'ai pris juste l'intérieur là. Ouais, moi aussi. Wesh le chine. Pardon, chine. Chine noisette. En tout cas, on n'a pas noté. Ah. Moi ça, je mets un 9. 9 sur 10. Moi je 9 mets 9,5 même. Moi je mets un 8. La cacahuète. 8,5. La cacahuète 9 et 8,5. Et par contre, là on fait que augmenter. Hein. Je crois qu'il y a du. Girdouja, non? C'était celui-là? Non, je crois pas. Mais c'est incroyablement bon. C'est méga bon. On va en faire les mots. En fait, ce qui se passe, c'est que sur tous ces desserts, ils fonctionnent de la même façon. Il fait une coque en chocolat, une mousse et à l'intérieur des trucs. Ouais. Mais là. Toujours pas. Elle est magnifique en tout cas. Du coup, quelle note? 9,5. Hein. Moi, je mets un. Quoi que non. J'ai mis un 9, moi. Je 9 comme la cacahuète pour moi. Les deux, c'était. Incroyable les deux. C'est vrai. On finit par. Le cookie, le fameux cookie. Le meilleur. Alors, comment on va sortir ça? Il y a une petite. Ouais. Oh. Wow. Je crois que ça, j'ai envie de taper un vrai croc, tu vois, pas. Un vrai croc. Il est incroyable, wesh. Oh là 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 là. J'espère qu'il est bien. On dirait qu'il y a mou. Du miel tellement que c'est. Ouais, c'est luisant. C'est brillant. On fait comment? On le coupe aussi? Franchement, j'ai envie d'y aller à la bouche comme ça là. Vas-y, t'as pas vas-y, un coup. Vas-y, vas-y, vas-y. Non. Commence. Non, non, non. Honneur à toi qui t'as est fan coup, de cookie. Vas-y, t'as t'es sûr? Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y. La vidéo. Non, mais c'est incroyable. La pâte à cookies, elle est incroyable. Le chocolat, il est incroyable. Les noisettes, elles sortent tout droit de je sais pas où. C'est le meilleur cookie que j'ai jamais goûté. Attends, je vais retaper un croc. Hein. Tu veux un croc? Bien sûr. Vas-y. Je crois que tu le manges tout seul. En plus, il est XXL, donc c'est pas mal ça. On peut se le partager. Ou pas. Mais la pâte elle est magnifique hein. Alors, je pense pas qu'une pâte à cookies ça pouvait être aussi bon. C'est incroyable. Ah moi je mets 10 sur 10 hein. Pour moi c'est le meilleur cookie que j'ai jamais goûté. Oui, 10 sur 10, y a pas photo. Meilleur cookie. C'est très très bon. Et ça le chocolat là, moi La pâte elle est mi-cuite, genre elle est pas dure. C'est incroyable, genre. C'est mi-cuit dedans, c'est comme. Ouais. Mais il y a du chocolat au milieu. Ah oui, il y a deux petites. Deux petits trous, il y a du chocolat. Deux petits trous, il y a des chocolats. J'ai même pas encore senti, donc j'imagine même pas quand t'arrives au milieu là. Et il y a toujours un petit. J'ai eu un petit côté salé, pas toi? Ouais, si, si, moi aussi. C'est magnifique. Ah, franchement, incroyable. Le goût est incroyable. Pour moi là, c'est 10 sur 10. C'est 10 sur 10 de ouf. Toi aussi? Ah, oui, ouais. Oui. Okay. C'est le meilleur cookie que j'ai jamais goûté. Ah ouais, franchement, ouais. Bon bah voilà, oh bah on voilà, a fini ouais. Notre petite dégustation. En tout cas, conclusion. Conclusion, ça a fait le buzz Cédric Rollet, mais je comprends pourquoi, parce que déjà c'est super bien fait, c'est grave bon, genre même les fruits, apparemment il y en a qui disent que c'est pas bon et tout, moi franchement j'ai kiffé. Pas bon, faut pas abuser. Ah, c'est pas déconner. Non, en vrai c'est vraiment bon. Ouais. Un peu acidulé les fruits, donc c'est pas mal, pour ceux qui aiment pas trop les trucs sucrés, trop sucrés. Ouais. Le cookie incroyable, franchement, si tu kiffes les cookies, let's go. Hein. Ça vaut largement son prix. Le service là-bas, quand tu vas récupérer ta commande ou bien les acheter, nickel. Ils sont vraiment aux petits soins et c'est vraiment, ouais, franchement, très bonne découverte. Ouais, franchement, je recommande. Après, ouais, c'est après pas donné, tu lâches. Bon. Tu un lâches petit plaisir de temps en temps, pourquoi pas, quoi. Ouais. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. À activer la petite cloche. À liker, partager. Et puis voilà, on vous dit à bientôt. Ciao. Ciao.